Yo, salut les amis, c'est Med, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons avec une vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un gameplay sur Cold War, Call of Duty Black Ops Cold War. J'ai repris récemment les streams et du coup, ben, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Faut savoir, je le dis, je le répète à chaque fois dans pas mal de mes vidéos, mais j'ai perdu 22 000 abonnés sur Twitch, ce qui n'est pas rien. Et je n'ai eu l'appui et le support de personne. Hein, faut savoir qu'il y a des gens qui sont là depuis 1 ou 2 ans et dès qu'ils perdent leur compte Twitter ou leur compte je ne sais quoi, eh ben ils ont une certaine communauté derrière eux, on va dire ça comme ça. Et il y a beaucoup de gros youtubeurs ou de streamers qui les aident. C'est pas mon cas. Moi, je suis solo, comme d'hab. Hein, et c'est pas plus mal. Hein. Mieux vaut être seul que mal accompagné, comme je le dis toujours. Mais c'est vrai que de temps en temps, un petit peu de soutien, c'est pas de refus. Je remercie toutes les personnes qui passent du temps sur mes lives. Je pense à GTI, je pense à Braco qui sont là depuis je sais pas combien d'années maintenant et qu'à chaque fois que je live, eh ben, ils sont présents. Donc pour tous ceux qui me suivent sur YouTube et vous aimez bien le Call of Duty, vous aimez bien un peu la rage et tout, etc. ou qui me connaissent depuis l'époque de Call of Duty, ben, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc les amis, c'est un gameplay sur. Je ne sais absolument pas la map. Mais c'est le mode enragé. Donc pourquoi je me suis décidé à revenir sur Call of Duty? Vous allez dire, il est fou. Non, je ne suis pas fou. Mais en fait, il y a un mode de jeu qui est le mode enragé. Et dans ce mode de jeu précis, il y a la nouvelle nuque. Donc il y a une nouvelle nuque qui pète. Donc moi, je ne suis pas fan des Black Ops. Parce que tout simplement, c'est des nucléaires. Tu fais 30 kills et tu as le cheat nucléaire et basta. Là, l'avantage que tu as, c'est que ben, dès que tu fais 25 kills, t'as vraiment la bombe qui pète. Donc déjà, ça c'était une bonne chose. Donc ça m'a remis le pied à l'étrier, ça m'a remis là, un peu le boost et la passion des Call of Duty. Et du coup, ben, je suis revenu sur la plateforme, premièrement. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est simple et c'est pas si simple que ça. Parce que dans le mode enragé, ce que vous savez pas, c'est que au bout de quelques frags, t'es limite pas invincible, mais tu te déplaces beaucoup plus rapidement. Donc du coup, on va dire que t'as un certain avantage par rapport à des personnes qui ont 1 ou 2 kills. D'une. De deux, il faut savoir qu'il ne faut pas être trop proche des ennemis. Parce que quand tu es trop proche des ennemis, tu exploses. D'accord? Tu exploses. Quand tu tues la personne, quand tu tues l'adversaire, il explose. Quoi qu'il arrive. Et troisièmement, tu as 30 secondes après chaque kill. Et le premier kill, c'est 15 secondes, je crois, si je me rappelle bien. Donc, premier kill, tu as 15 secondes pour faire un autre kill. Et après, c'est par tranche de 30 kills. Par tranche de 30 secondes. Donc, si pendant 30 secondes, tu bouges pas, tu campes, tu temporises un peu trop, tu exploses et ta série, elle est terminée. Donc voilà. Après, l'avantage, c'est que dans le mode de jeu, c'est du point stratégique. Donc à chaque fois que tu prends un point stratégique, ça compte comme un kill. D'accord? Mais ça compte comme un kill à partir de 5 kills, quand tu es en mode enragé. Donc voilà, faut le savoir, moi je ne le savais pas. Par exemple, les kills au lance-patate, eh ben, ça compte pas du tout. C'est vraiment 25 kills avec l'arme. Et voilà, bon, donc du coup, je me suis un peu amusé sur le jeu. Et j'ai réussi à faire la nuque. Donc je vais vous la présenter. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me rappelle vraiment la bonne époque. L'époque où j'étais sur AW, où on faisait des carnages. Faut pas oublier aussi que le SVMM sur le jeu, il est très très important. Donc du coup, voilà, j'ai fait de mon mieux. Je suis pas l'un des meilleurs joueurs, je suis pas un joueur mauvais, mais voilà, je pense que malgré mon âge, voilà, j'en ai un peu encore sous le pied. J'ai pris du plaisir à vous faire cette vidéo et je pense que c'est l'essentiel. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, c'est la récompense. Je compte sur vous. Et puis n'hésitez pas aussi à, juste après cette vidéo, n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne Twitch, MedX42 aussi. Où je serai en train d'essayer de faire cette fois-ci de la nucléaire. Donc je vais prendre le lance-patate pour faire vraiment 30 kills et débloquer le titre nucléaire cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops. Cold War. Voilà. Donc ben, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sachant que je dois vous faire une petite vidéo sur ma perte de poids. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai perdu quand même 14 kilos. Donc c'est pas rien. Donc je vous avais dit que j'allais mettre le fit game en PLS. Je tiens toujours mes promesses. Des fois, ou du moins j'essaye de les tenir au maximum. Et franchement, c'est super bien parti. Je me sens super bien. Je me sens super prêt. J'espère que vous le ressentez vous aussi chez vous. Et puis voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Prenez soin de vous.
J'aime pas trop cette map, encore. J'aime pas trop cette map. Mais on va la faire quand même. Le Belge, il doit dormir là. Il joue le soir, lui, il joue de nuit. Normalement, c'est maintenant, mais après, je sais pas. On verra bien. Moi, comme ça, je mérite pas, tu vois. Super. Mais pourquoi je me regarde pas là-bas? Il était depuis tout à l'heure sur le rocher! Là, on aurait dit Captain America avec son gros casque là. Ah, Captain America encore. Je l'ai pas entendu, il se balade à côté de moi. Regarde, regarde, regarde-le, regarde, regarde. Regarde, il est nul en plus, il est nul. Nul. Je me fais niquer par un mec comme ça, ça me met hors de moi ça. De nul là. Comment? Quoi? Où? D'accord. Super. Super, super le jeu. Super, voilà, super. J'ai fait tomber ma canette, j'en ai mis de partout là.
incroyable. Tu vois le joystick? Tu vois le joystick? Vas-y, viens, gros, viens. Mieux on est, mieux c'est, hein. Comment tu mets des têtes d'un coup et puis après d'un coup tu mets plus rien? C'est pas normal. La vie de ma mère, ce jeu il est pas normal. J'ai des pertes de dime assist. Regarde. De près ou de loin. Normalement je les encule, je les enchaîne. Je les enchaîne. Mais je sais pas là. Non, non, non. Oh là là. Je vais me barrer de là parce que là, ça sent mauvais. Essayez de faire le tour, les gars. Oh non, non, non. Et voilà!
Magnifique là, magnifique ça. Magnifique les amis. Ils m'auront fait chier, hein. Meilleur kill cam, elle est là. Putain. Ils m'ont fait chier en plus, ils m'ont fait chier là. Lui, il m'a fait chier là. Je leur ai mis 30 kills dans les dents. Merci les gars, merci. Oh putain, quel soulagement. Ah, ça me rappelle l'époque, les gars. La bonne époque.